Bonjour à toutes et à tous, c'est Omar. Et aujourd'hui, on va voir les nouveautés d'iOS 10 Beta 2 sur iPhone, iPad ou iPod Touch. Pour ceux qui n'ont pas cette Beta 2, je vous invite à voir ma précédente vidéo où j'ai présenté comment télécharger et installer cette iOS 10 Beta 2. On va commencer par l'écran verrouillé. On va remarquer que les polices ont changé, ainsi que lorsqu'on va taper un mot de passe qui est faux, on n'a pas le vibreur. Et lorsqu'on va utiliser le Touch ID, ici, on va voir déverrouiller comme ceci. Voilà. Maintenant, on va passer au centre de notification et on va voir enfin nos widgets sur le bureau. Et pour le centre de contrôle, on n'a pas les traits ici, dans cette place. On n'a pas les traits. Pour l'application message, calendrier, photo, appareil photo, météo, oui, un tout petit peu de nouveautés pour l'application horloge. Maintenant, cette montre on a à droite, avant on avait à gauche. Pour le sommeil, on peut voir l'arrière-plan sans l'activer. Et pour l'application Safari, si on reste appuyé ici, on va voir deux menus. Un pour ouvrir un nouvel onglet. Deuxième pour fermer tous les onglets. Voilà pour l'application mail. On a un nouveau outil ici. Et pour l'application réglage, on a des nouveaux suggestions. Comme ici dans le Spotlight. Voilà, on a deux. Accessibilité. Pour receveur, zoom, loop, adapter l'affichage, on a ici le pourcentage, ainsi de suite. Comme flash LED ici, on a un nouveau menu. On va passer à l'application Watch. On a l'apparition des nouveaux menus. Je ne sais pas quoi il sert, mais c'est tout nouveau. On n'avait pas avant. Et enfin, pour les dossiers, ils sont maintenant gris. Ils ne sont pas flous. Pour notre version. Donc merci pour avoir visualisé cette vidéo et à bientôt à la prochaine. Salut.